Bienvenue sur le service public libre, vous êtes sur le champ, l'émission qui participe à la reprise du pouvoir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Fabrice Grimal. Bonjour. Salut, ça va Ça va pas mal et toi Ouais, très bien, merci. Donc euh, Fabrice, tu es euh, partisan, enfin tu es euh, cofondateur du Gouv.fr. On verra mm -hmm. si jamais euh, je fais des petites erreurs. Euh, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, alors, est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas D'accord. Alors, je m'appelle Fabrice Grimal, j'ai 40 ans, j'habite en Ile-de-France, je suis papa d'une petite fille, et euh, je suis entrepreneur dans le domaine de l'événementiel depuis 15 ans, depuis ma sortie d'une école de commerce. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a du coup amené euh, bah, vers le militantisme Je me suis toujours intéressé de près à la politique, j'ai toujours été passionné d'histoire, et puis euh, en prépa, je me suis intéressé à l'économie, beaucoup, 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 et euh, plutôt du côté libéral d'abord, mmh. et ensuite avec la crise de 2007-2008, je me suis intéressé à l'autre côté, à mmh. tout le reste. Et donc, euh, donc je vais faire mon petit mélange des deux, parce que je me suis aperçu que les deux avaient, des... avaient raison sur certains points et tort sur d'autres, mais que la vérité était éclatée un petit peu partout, mm -hmm. si jamais il y a une vérité en économie. Euh, et j'ai continué à m'intéresser à tout ça, en fréquentant euh, divers, euh, diverses organisations, divers partis, euh, pas pour y militer, mais pour euh, observer, prendre un peu la température, voir comment ça se passe, l'état d'esprit. Euh, qui règne dans des, des énormes parties ou dans des groupuscules. Mmh. Je me suis un peu baladé pendant plusieurs années et ensuite j'ai entrepris l'écriture d'un bouquin euh, qui s'appelle Vers la Révolution et si la France se soulevait à nouveau, puisque j'avais euh, prévu que ça ne pouvait pas durer, mmh. que les blocages de, de, de la France en général, donc son économie, mais aussi et surtout sa vie politique. Euh, faisait qu'on arrivait à un point de non-retour et que les Français, euh, s'ils si restaient fidèles à leur, euh, leurs habitudes historiques, allaient fatalement finir par se soulever et par euh, montrer un, un nouvel exemple au monde de, de soulèvement massif comme on a pu le faire déjà dans les siècles précédents. Tu l'as écrit en quelle année ce Alors que j'ai commencé la démarche en 2014, j'ai d'abord fait des recherches approfondies, ensuite je suis passé à l'écriture, ensuite il a fallu que je trouve un éditeur. Ce qui est jamais évident quand on écrit un premier livre et qu'on n'a pas de diplôme universitaire. Du coup, il est sorti une fois à la fin de tout ce processus. Il est sorti début 2018. D'accord. Donc euh, ben, neuf mois en gros avant le, le début des gilets jaunes. Mmh. Donc forcément, quand les gilets jaunes sont arrivés, je me suis jeté dedans. J'ai fait tous les actes et puis petit à petit, euh, j'ai rencontré du monde et euh, de fil en aiguille. Euh, euh, voilà, j'ai commencé à participer à des réunions d'organisation, à rencontrer. Euh, euh, tous les gens qui, euh, on va dire, qui ont un peu d'influence sur le mouvement, même s'il n'y a personne pour le diriger, ça on l'a vu, on le sait tous. Et euh, donc j'ai vécu un peu tout, toutes ces choses-là, et puis à un moment donné, le, le mouvement a commencé à se cristalliser en différents groupes euh, qui voulaient s'organiser. Et un groupe s'est formé euh, dans lequel je me suis retrouvé avec d'autres, et euh, on, je leur ai proposé de, de créer un contre-gouvernement euh, qui a une fonction à la fois symbolique et pratique. Et, euh, et donc l'association qui s'est formée autour de, de, de ce projet euh, a vu le jour il y a, um, il y a un peu plus d'un an. Et on a travaillé, on a créé donc le Gouve mm -hmm. sur le site legouve.fr ouais. Et euh, sur les réseaux, c'est euh, les comptes, c'est le Gouve officiel sur euh, Twitter et sur Facebook. Okay. Euh, voilà. Et bien ça, on va, on, va, on va y revenir euh, un petit peu après. Et du coup, je, simplement pour comprendre... Toi, étais déjà dé sorti dans la rue avant les Gilets jaunes, ouais. vraiment étais, Ouais, ouais j'avais fait quelques manifestations. Mmh. Euh... Si, Est-ce que tu peux, tu peux nous dire Tu dis que tu as fréquenté quelques parties, tu peux, tu peux nous dire lesquelles euh... Ah bah j euh, on trouve des traces de moi euh, à l'UMP et au PS. Je leur donne les noms qu'ils avaient à l'époque, hein, mm -hmm. puisque le PS n'existe plus et l'UMP a changé de nom. Le ça... PS, je crois qu'il existe encore. Non, okay. il n'existe plus. Enfin, il existe <laughs> plus, mais la, la structure parti la structure socialiste existe, existe encore. Euh, il y a un bâtiment légalement. quelque part dans Paris ouais. dans lequel il y a quelque ouais. chose qui ressemble Solferino, à une direction du parti ouais. socialiste. Ah, ils ont vendu Solferino. Ça, ah, ils ont vendu, ouais, Ça va ouais, devenir un centre commercial de luxe. Ah oui c'est une belle ironie du sort. Ils, ont, <laughs> ils auraient dû aller à la Courneuve, mais ça ne leur plaisait pas parce que tu comprends, c'est un peu trop populaire. Ouais. Donc ils sont allés à Ivry, puis maintenant ils sont de retour dans le 9e, mais dans des locaux microscopiques, c'est-à-dire ouais. que c'est vraiment devenu un groupuscule. Quoi. Ouais, ouais, voilà. euh, donc tout ça pour dire voilà, euh, LR, PS. Euh, euh, J'ai assisté à des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Euh, euh, J'ai je, été alors pour le coup un militant de l'UPR. Mmh. Il y a très longtemps, au tout début de, de la construction de ce mouvement, euh, quand Aslino n'était pas connu du tout, mais que j'avais vu ses conférences, on était un tout petit groupe euh, en Ile-de-France. Et euh, donc j'ai ai aidé un petit peu. Et puis euh, après, j'avais un peu de mal avec l'esprit le, de la démarche. Mmh. Donc je ne suis pas resté très longtemps. Et qu'est-ce qui fait que du coup, tu n'es pas pas rester dans un parti politique as pas continué parce que j'ai un gros problème avec la structure partisane ouais. en elle-même euh, j'ai pu observer à, à différents degrés euh, tout ce que ça avait de nocif euh, celle qui a analysé, a analysé ça le mieux c'est simone veil dans, dans sa note sur la suppression des partis politiques Simon euh, simone veil, veil la philosophe ouais. hein, évidemment pas, voilà. Et, et tous les arguments qu'elle qu qu exhibe dans ce bouquin, je les ai vus répartis un petit peu partout. Par exemple, à l'UMP, très très vite, ça tourne à l'esprit un, un petit peu mafieux. Au Parti socialiste, ça tourne à la famille. Alors, la famille, ça peut finir très vite en mafia aussi. Alors, c'est une famille plus chaleureuse, mais ça reste une famille. C'est-à-dire que si es tu n'es pas d'accord, tu dégages. Quoi. Tu n'as rien à faire là. Euh, alors à l'UPR, euh, euh, j'ai un peu traîné aussi du côté de solidarité et progrès. Euh, je je, je m'étais inscrit un peu partout où ça, font, où ça marchait, où il y avait, où il y avait un peu de, de, de retentissement. Euh, j'ai vu un peu, un peu l'esprit de secte. Euh, des gens qui se prennent pour le général de Gaulle et qui pensent qu'ils vont réussir tout seuls. Euh, et derrière, des gens qui suivent aveuglément. Mmh. Parce que ça y est, ils sont dans, un, dans une structure, ils ont trouvé un un sens à leur vie, euh, et ils peuvent éventuellement aussi trouver leur intérêt, euh, des places, des postes. Mmh. Et donc euh, c'est la lutte, tout le monde a sa petite stratégie pour y arriver. Ouais. Et puis j'ai un copain psychanalyste en plus qui fréquente beaucoup ces milieux-là et qui les a sur son divan, qui me racontait qu'ils étaient tous absolument névrosés. Tout le monde pense à l'élection présidentielle, mmh. euh, du plus petit assistant parlementaire, du gars qui vient de s'inscrire dans un parti, jusqu'à l'ancien Premier ministre. Mmh. Ils sont tous malheureux. Ils ne pensent tous qu'à ça et ça les rend fous. Ils pensent tous à quelle élection Quelle élection présidentielle, ouais. ouais. Ils se disent tous voilà, maintenant c'est que je suis dans la politique. Il faut que j'ai, il faut le, fin, il faut que j'aille jusque. À... C'est ça. L'aboutissement suprême, ouais. c'est ça. Ça y est, maintenant la course a commencé. Ouais. Et euh, et même quand ils sont passés par des postes très prestigieux, qui sont en retrait, très vieux, bah ils dorment pas bien et ils sont malheureux. Et y pense ils pensent dès qu'ils se lèvent le matin en se rasant. Le matin en se rasant, le soir en se couchant. D'accord. Donc tout ça mis bout à bout, moi j'ai dit les parties plus jamais. Mmh. Et, euh, et ensuite les gilets jaunes sont arrivés. Voilà. D'accord. Ok très bien. Et du, du coup, euh, dans le mouvement Gilets jaunes, toi tu as participé des premiers actes euh... Simple manifestant. En simple manifestant. Euh, donc l'acte 1, je n'étais pas disponible. Mmh. Après, à partir de l'acte 2, je les ai à peu près tous faits. En tout cas, tous les gros, parce que euh, dès qu'on arrive à... 25, 28, 32, 35. Bon, il y a des moments où il faut aussi se, se consacrer à sa famille. J'étais jeune papa, donc c'était pas évident. Euh, mais oui, oui, euh, les gros actes. L'acte 2 sur les Champs-Élysées, l'acte 3 sous l'Arc de Triomphe, euh, l'acte 4 sous les, sur les Champs-Élysées, et ainsi de suite. Euh, le 16 mars aussi, le 1er mai, enfin, tous les, tous les gros trucs. Et à un moment donné, euh, comme grâce au bouquin, j'avais euh, un peu de visibilité, euh, j'avais fait une ou deux petites conférences. Il y a des gens qui m'ont repéré, qui m'ont contacté. Et euh, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, les gens qui, qui, ont, qui ont un peu d'influence sur le mouvement, en tout cas des capacités d'organisation et de, de polarisation. Et donc j'ai pu commencer à essayer, <coughs> à mon échelle, de participer à, à l'édification de ce mouvement, qui est le plus gros mouvement social de l'histoire de France depuis mai 68, si ce n'est pas euh, avant mai 68. Mmh. Voilà. Donc, c'est pas rien. Euh, on, le, le, le monde entier a mis des gilets euh, jaunes. Tous les, les, les contestataires du monde entier ont mis des gilets jaunes en, en décembre, janvier, euh, février, il euh, y, y a deux ans. Donc, euh, donc on, est, on, est, on est tous assez fiers de ça, mm -hmm. d'être passés par là. Bien sûr. Toi, c'était quoi au départ la stratégie que tu pensais voir émerger à travers le mouvement des Gilets jaunes Est-ce que tu pensais qu'on allait pouvoir faire tomber gouvernement comme ça dans les premiers actes. Alors, à l'acte 2, je voyais des, des panneaux et des chansons qui parlaient de révolution. ouais Je me disais, tiens, c'est dingue, euh, voilà il y, y a une semaine, on parlait du prix de l'essence, et encore à peine. Mm -hmm. euh, là, aujourd'hui, on est dans Paris, il y a le feu partout. Euh, les, si, si les policiers s'en vont, l'Elysée est pris en moins, moins, moins d'une demi-heure. Euh, et tout le monde hurle révolution. Euh, donc ça m'a montré que mon analyse euh, que j'avais faite dans mon livre n'était pas si idiote que ça. Et, et j'ai commencé à y croire, sans excès d'optimisme non plus. Mm -hmm. Je me suis dit, voilà, c'est des, des Français vraiment lambda, euh, des petits vieux, des jeunes, euh, des hommes, des femmes, euh, euh, toutes les classes d'âge et, 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 et tous les horizons politiques réunis en même temps. C'est la fusion qu'on attendait. Euh, L'Italie a un système politique qui lui permet de, de, de faire une coalition comme elle l'a faite avec euh, uh, Cinque Stelle et puis, euh, et puis le, la droite. Euh, nous, on n'a pas ça. Nous, c'est intégralement bloqué, c'est euh, système majoritaire. Donc, euh, donc cette alliance, que, que nos détracteurs appellent populiste, mais ça, c'est un mot qu'il faut revendiquer, cette alliance-là, c'est faite par la force dans la rue. Un peu comme quand on veut. Euh, euh, faire fusionner deux atomes, il faut une pression énorme. Sinon, ils fusionneront jamais sans qu'on les oublie. Euh, et ça, ça s'est fait. Je me suis dit bon, on verra comment ça va se passer. On était sur des mouvements sociaux mondiaux qui étaient des choses qui duraient, des occupations, euh, des, des printemps arabes ou des choses qui ont, qui ont duré un certain temps avec l'armée qui est arrivée derrière pour euh, siffler la fin de la récré, mais euh, euh, en, en en exauçant le vœu du peuple au moins de faire disparaître le pouvoir en place, même si derrière, ce n'est pas forcément ça. Et je voyais ça se profiler en France. La France avait, avait loupé le, le mouvement Occupy. Elle avait complètement zappé. Il n'y avait quasiment pas eu de, de, de mouvement Occupy en France en, en 2010-2011. Euh, on l'avait fait avec beaucoup de retard en 2016 avec Nuit Debout. Et Nuit Debout, j'avais été un des participants, même si j'étais vraiment incrédule. Ce que je voyais ne m'allait pas du tout. Euh, J'avais je, 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 assez vite compris que ce n'était pas ça qui allait nous, nous faire gagner, en tout cas cette méthode-là, le, le fait de prendre que des gens de gauche, et euh, avec toute leur segmentation euh, qu'ils qu adorent, ça c'était sûr que ça ne marcherait pas. Donc je me suis dit, voilà, la France est clairement à la traîne. Elle qui d'habitude était toujours un petit peu en avance sur ces choses-là, était clairement à la traîne. Mais je restais optimiste et je me disais, voilà, pour l'étape d'après, on va être en avance. On n'a pas eu cette étape-là, mais l'étape d'après, du coup, on va tout faire d'un coup. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à l'acte 3, sous l'Arc de Triomphe, en début d'après-midi, quand on ne voyait plus le soleil, qu'il y avait l'hélicoptère et que ça pétait de partout, euh, là, franchement, j'y ai cru. Je me suis dit, bon, soit c'est aujourd'hui que les flics baissent le, les casques et les armes, et que la foule déferle, et que Macron dort ailleurs que dans son lit. Euh, soit c'est jamais et quand je suis rentré chez moi enfin jamais en tout cas à court terme pas dans, ce, ce, ouais. voilà, pas dans cette, cette séquence là mmh. et donc je suis rentré chez moi dépité mmh. parce que je voyais les gens euh, à 19h, 19h30 euh, bah, commencer à rentrer chez eux euh, les on va dire les casseurs ou euh, ce qu'on peut dire assez vite hein, en disant euh, les jeunes de banlieue euh, Débarquer, cagoulé pour. Euh, les opportunistes. Les opportunistes voilà. Du chaos pour, euh... La police qui avait tenu bon. Ouais. Euh, et puis, mine de rien, on était sous l'Arc de Triomphe, qui est un lieu symbolique, mais qui est à proximité d'aucun lieu de pouvoir réel. À part, en fait, à la vraie bataille, elle aurait dû s'engager plus sur la place de la Concorde. La place de euh... la Concorde, mais qui était totalement inaccessible. Ouais. Vraiment inaccessible, quoi. Ils avaient... Parce que le vrai symbole, c'était la place de la Concorde. Mmh. Il y a l'Assemblée en face, l'Elysée juste derrière, euh, le. L'ambassade bah, du siècle, l'ambassade américaine, toutes ces choses-là. Euh, et ça, c'était vraiment muré. Là, j'ai compris, en fait, que les moyens policiers étaient délirants, mmh. qu'ils clouaient les panneaux sur les murs et ils mettaient les camions juste derrière. On ne, on ne pouvait rien faire, même à, même à 10 000 contraints, à moins de tout faire sauter. Euh, les Français ne sont pas armés. Les Français sont un peuple pas du tout docile mais, mais respectueux de l'autorité, respectueux des corps constitués. C'est pas un peuple de tueurs de flics, et tant mieux. Donc donc en fait cette stratégie entre guillemets insurrectionnelle était vouée à l'échec avec les forces qu'on avait. Mmh. Les Français découvraient les gilets jaunes, on était très nombreux mais pas assez. On aurait été le double, triple. Là ça aurait peut-être été différent. Quoi qu'il en soit, le soir du 1er décembre j'ai fait un constat amer qu'on euh, que allait s'engager dans une bataille de long terme, qu'on allait peut-être avoir des victoires, mais que euh, ça n'allait pas être facile, et qu'il allait falloir à un moment ou un autre se replier sur euh, si on voulait que les Français reprennent le pouvoir sur eux-mêmes, bah le, le faire euh, d'une certaine manière par les urnes. Euh, ou, euh, ou attendre ce que je prophétisais dans mon livre, qui était la future crise financière. Alors quand je dis prophétisais, c'est pas pour me mettre en avant. On est des dizaines à prophétiser cette prochaine crise depuis très longtemps, ouais. puis bien avant que mon bouquin sorte. Euh, il va de soi que, alors pour le moment, elle, est, elle va pas arriver tout de suite, parce qu'il faut le temps d'encaisser le Covid, il faut le temps que les, les taux remontent et tout ça. Mais euh, si elle arrive sur un lit de pauvreté, de misère et de chômage, euh, qui était déjà le cas au moment des Gilets jaunes, qui est encore plus le cas aujourd'hui avec la crise du Covid, et qui n'est pas prêt de s'arrêter, je connais les Français, je sais qu'ils ne vont, euh, qu vont pas laisser ça passer. Sachant qu'on a un président qui a un sentiment de toute puissance, il a survécu au Covid, euh, à la fois à la crise du Covid et à la maladie pour lui-même il a survécu au gilet jaune, donc au plus grand mouvement social. Euh, depuis des dizaines d'années, c'est lui le vainqueur. il oui. nous a presque rien donné oui. et la masse est rentrée chez elle. Oui. elle est rentrée chez elle à cause de la peur, essentiellement, à cause de la répression. mais c'est un fait. voilà, il a réussi à couper la marque gilet jaune d'une partie de l'opinion. Et donc il est très fier de ça, il se voit faire un deuxième mandat et enchaîner derrière en étant le président d'une Europe enfin fédérale. Et donc on, on va bouffer du Macron pendant 20 ans dans son esprit. Il se sent tout-puissant, donc il n'hésitera pas à nous insulter encore, à prendre des décisions euh, euh, absurdes voilà, et, à, et à consolider son pouvoir autoritaire. Et j'espère que c'est cet aspect-là. Qui réveillera les Français à nouveau, qui les fera redescendre en masse dans la rue, comme ça a pu être le cas au début des Gilets jaunes, euh, comme ça a pu être le cas euh, à la rentrée, là. Euh, pas le 12 septembre, mais en octobre, il y a eu un, un acte qui était, euh, qui était assez énorme, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Sur la loi sécurité globale Oui. Euh, novembre. Oui. C'est la période euh, fin fait. novembre, début décembre. C'est ça, c'est ça. Mmh. Oui, ouais. Donc, donc moi j'y crois encore mais ce sera un mélange et d'où l'idée du GOUF, du gouvernement parallèle qui est à la fois quelque chose de très symbolique euh, pour montrer que les gilets jaunes sont euh, capables aussi d'une pensée euh, structurée d'élaborer un programme citoyen complet de parler avec des, des experts euh, avec des gens qui sont reconnus dans leur milieu qu'on euh, qui ont des cursus euh, énormes et qui euh, ça permet de nous réconcilier avec l'élite, la véritable élite de ce pays, pas l'oligarchie euh, incompétente qui nous dirige depuis des décennies, mais la véritable élite, comme il y a euh, l'élite des joueurs de foot ou l'élite des musiciens, euh, et euh, collaborer avec ces gens-là pour un programme euh, solide et euh, montrer par l'exemple qu'on peut le faire, que si des gilets jaunes étaient amenés à gouverner ce pays, leur gouvernement aurait beaucoup plus de gueule que celui de Macron. Ce seraient des gens vraiment compétents, soucieux des intérêts du peuple, euh, parce que la plupart en viennent, hein, du peuple de toute façon. Donc ça, c'est le... ça, c'est le schéma euh, de... donc, euh, du gouv Fr. C'est ça. Voilà. Tu vas pouvoir nous expliquer euh, quelle stratégie vous avez donc, pour reprendre le pouvoir. Alors, on comprend qu'effectivement, c'est donner déjà à la fois une... Un exemple de dire, euh, de mettre en valeur cette véritable élite dont tu parles, de dire voilà les gens qu'il faudrait pour, pour gouverner, ou bon, en tout cas si on prenait ces gens-là, ils arriveraient à gouverner. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme, comme, comme initiative pour maintenant bah, voilà, mettre cette véritable élite au pouvoir pour diriger la France alors déjà, le, le, le principe du GOUV n'est pas juste de recruter une élite et ouais. de la présenter en tant que, que, que contre-gouvernement. C'est euh, de présenter un, un, un vrai mélange entre euh, le côté élite et le côté populaire via la présidence plurielle du GOUV, parce que qui dit gouvernement dit président. On sait tous que les Gilets jaunes sont euh, pas... Euh, ils sont dans l'incarnation, parce qu'ils ont eu des leaders on va dire, des, euh, des figures euh, qu'ils ont vraiment aimé, apprécié, respecté, euh, à juste titre, la plupart du temps. Euh, ils auraient, je pense, aimé que ces leaders s'assument un petit peu plus, en tant que tels. Il y, aurait, il y en a, on va dire, on aurait peut-être perdu beaucoup de gilets jaunes au passage, mais on aurait peut-être, dans l'intervalle, trouvé une structure, euh, quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus cohérent. Mais bon, <laughs> ils ne sont pas contre l'incarnation, mais c'est vrai qu'il y a quand même un problème avec... Euh, euh, le leadership unique, euh, une seule tête, et à part ça, euh, rien ne dépasse. Parce que c'est un, un, un mouvement protéiforme dans lequel il y a des gens de gauche, des gens de droite, des abstentionnistes, des gens qui n'ont jamais voté, et voilà. Il y a un petit peu de tout. Et euh, on est d'accord sur l'essentiel, mais c'est vrai que dès qu'on sort de l'essentiel, très vite, on retrouve les villages gaulois. Et les villages gaulois, ils ont mis des dizaines d'années avant d'avoir un Vercingétorix, et ça n'a pas suffi. Et nous, on n'a pas eu de Vercingétorix. Euh, donc euh, donc euh, cette, cette présidence, ne, pour le Gouv' en tout cas, ne pouvait être que plurielle. Donc on a pris tous les fondateurs, toute l'équipe des fondateurs, donc une quinzaine, et on a dit voilà, on va être à nous tous le président, on est chacun un quinzième de président, et comme entre nous on s'est rencontrés par le biais du hasard, dans notre équipe il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des abstentionnistes, euh, voilà. Donc on n'est on pas d'accord entre nous sur certaines choses, mais on est d'accord sur l'essentiel. Les ministres, c'est pareil, ils viennent d'un peu partout, droite, gauche, et ainsi de suite. Et en plus de ça, un peu comme un sandwich où vous auriez les, les célébrités, les experts, ça c'est le steak bien juteux, mais il faut qu'ils soient entre deux tranches de pain, citoyens. La présidence plurielle et les comités citoyens qu'on a tirés au sort récemment, une vingtaine de personnes par ministère, euh, qui vont élaborer le programme avec le ministre. Ou contre le ministre, si besoin. C'est-à-dire que le comité est indépendant, le ministre est indépendant, la présidence plurielle aussi. Et à la fin, tout le monde va négocier pour élaborer un programme euh, final qui soit euh, ben, le plus satisfaisant possible pour un maximum de monde. Voilà. Euh, donc c'est à la fois de, 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 de l'élite et du citoyen. Et du coup, ta question c'était comment avec tout ça on prend le pouvoir, c'est ça Alors on, déjà, on a la, la modestie de dire que ça va être très compliqué. Que le simple fait de, de poser l'objectif de prendre le pouvoir de manière explicite euh, engage à beaucoup de choses, donne de l'espoir à ceux qui attendent cette issue, et qu'à partir du moment où on s'engage à donner cet espoir, on s'engage à aller au bout, on s'engage à ne pas le décevoir, à tout faire. Euh, on sait qu'on ne peut pas avoir d'obligation de résultat, c'est impossible, mais au moins une obligation de moyens. Mais même les moyens, c'est très compliqué. Donc, ce que propose le GOUV, parce que dans les Gilets jaunes, on n'impose rien, on ne fait que proposer. Hein, et ensuite, on voit comment ça réagit. Euh, ce que propose le GOUV, c'est une espèce de pôle programmatique euh, dont on sait qu'il est solide, qu'il n'est pas soumis à de la démagogie, euh, à des histoires de personnes. Parce que même si un de nos ministres voulait trop se mettre en avant ou se, se détacher du groupe pour se mettre en avant, eh bien... Il quitterait le gouvernement, il serait remplacé comme n'importe quel remaniement ministériel. Euh, idem à la présidence plurielle, on a déjà eu des départs, on a eu des arrivées. Ce n'est pas une histoire de personne. C'est vraiment une histoire d'idées. Euh, après, on sait qu'il y a des, des choses qui sont en train de se mettre en place au sein de, de certaines parties des Gilets jaunes pour essayer de déterminer un candidat citoyen. Alors. Ça peut être un candidat, euh, effectivement, qui sera issu d'un processus à déterminer, mais quoi qu'il en soit, il faut se presser. Je me demande même si ce n'est pas déjà trop tard pour que les Français apprennent à le connaître s'il n'est pas déjà connu. Ou alors, euh, l'autre idée est de prendre quelqu'un de déjà connu. Donc, euh, tout le monde... Alors, il y en a qui fantasmait sur Jean-Marie Bigard, ou euh, voilà, euh, ça peut être euh, Didier Raoult, si jamais euh, il pète un câble et qu'il se dit euh, « Vengeance, <laughs> je, vais, euh, je vais tous les virer moi-même ». Euh, quel que soit ce candidat citoyen, il sait qu'il a un, un, un contre-gouvernement à sa disposition, s'il le souhaite, s'il souhaite utiliser euh, tout, euh, tout ce qu'on propose. Parce que le gouvre, au fond, est un think tank, c'est pas un parti politique, c'est une association loi 1901, qui fait de la réflexion, voilà, qui prétend pousser le bouchon très loin avec des citoyens, euh, mais en l'état actuel des choses, il fait de la réflexion, de l'éducation de populaire, et voilà. Mais on a la structure qui nous permet effectivement potentiellement d'occuper de, des ministères. Puisqu'on a des ministres avec des équipes dans chaque ministère, des collaborateurs, des gens, des gens très sérieux. Parfois des gens qui ont des liens avec des employés des vrais ministères, euh, donc qui, dont on ne donnera pas les noms évidemment. Euh, mais en tout cas ce lien est fait. Il y a des liens côté... Euh, euh, militaire avec Régis Chamagne, il y a des liens euh, côté intérieur avec tous ceux à qui on a proposé le ministère mais qui n'en ont pas voulu parce que euh, les mâles alpha de l'intérieur, de la police et de la gendarmerie sont alpha jusque dans une certaine mesure. Mm. Et, euh, et bien souvent décevant, bref. Mm. Mais en tout cas, ils, 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 ils ont proposé leur aide. Ils ont proposé dans le cadre leur aide. Ceux, tous ceux, ceux hein. à qui on a proposé d'être ministre et qui ont dit non. Euh, en tout cas, on n'a jamais fermé la porte au fait de nous aider, de conseiller, de lire les travaux des comités citoyens, euh, voilà, d'apporter leur aide. Donc au final, ça fait quand même une grosse équipe. Mmh. Euh, et comme c'est un peu les noms qu'on a tous en tête dans tous les domaines, bah, nous, notre travail au Gouvre, ça a été de tous les contacter un par un pendant six mois. Pour essayer de tous les réunir au même endroit. Donc quand ils sont ministres, ils sont... Ils sont installés, quand ils sont conseillés, bon, bah, ils font. chacun fait ce qu'il a à faire, et puis on, on appelle quand on a besoin. Mais, euh, oui. mais en tous les cas, voilà, c'est une communauté qui s'est formée et qui est en train de grossir. Et, et, et on voit que tous ces. Des tous, pôles sont en train de se former parmi tous les groupes qu qui existent. Et euh, ça se regroupe au oui. niveau euh, constituant, RIC. Euh, le MCP fait un travail euh, très intéressant de réunion de tous ces gens-là. Il euh, y a un projet qui s'appelle OP 2022, qui est orienté pour la présidentielle pour le coup, mmh. avec différents groupes qui euh, ont élaboré un programme et dans le but d'élaborer un programme commun. Donc le Gouv y participe. Le Gouv est aussi allié du MCP. On a créé une alliance qu'on a publié un communiqué juste avant le, leur, leur séminaire de, du week-end dernier. Euh, on est en lien avec d'autres groupes gilets jaunes, avec le syndicat gilets jaunes, euh, qui lui ne veut pas, enfin veut garder son indépendance, euh, vise à travailler dans les entreprises, mais que nous on voit clairement comme notre partenaire social. Mmh. Si toute cette nébuleuse-là, toute cette communauté arrive à créer un contre-état complet, on appliquera. La doctrine de, de pas mal d'alter-mondialistes qui disent, si euh, le système ne te plaît pas et que tu ne peux pas le changer de tes mains, crée le tien à côté. Mmh. Généralement, c'est euh, créer ton éco-village euh, euh, à petite échelle. Ouais. Nous, on, on vise directement la tête en disant, ok, on nous demande de créer notre, notre propre alternative, ben on va créer notre propre contre-état. C'est une... C'est une intention euh, séparatiste. Alors, justement, non. Ça reste, c'est là qu'il faut faire très attention, oui. parce qu'à partir du moment où je dis ça, je suis sur la brèche. Ouais. Euh, c'est pas... On ne prétend pas, comme le CNT de Fioril, être le gouvernement légitime de la France et prétendre à une représentation à l'ONU. Mmh. Ce serait grotesque. On ne prétend pas partir en exil à Londres, ouais. avec les gars du Gouffre sous le bras. Ce ouais. serait grotesque. Ouais. Euh, tout ça n'est que de la preuve par l'exemple. Mmh. Preuve par l'exemple que ça pourrait marcher, qu'on est apte à le faire. Mmh. Et après, participer, preuve par l'absurde de participation à des choses étatiques, par exemple leur, leur vrai faux référendum d'initiative populaire comme on avait eu pour ADP ou des choses comme ça, pour montrer par l'absurde que eux, ça ne marche pas. Et via ces démonstrations qui sont, on le pense, assez probantes. Euh, convaincre un maximum de gens, et notamment tous ceux qui ne se revendiquent pas gilets jaunes ou se sont revendiqués au début, et s'en sont éloignés par excès euh, de caricature, parce qu'ils se sont retrouvés convaincus que euh, sur les ronds-points, ça faisait que picoler, ou que les gilets jaunes sont incapables d'être sérieux, ou que c'est des casseurs. Enfin, tous ceux qui ont succombé à tout ça alors qu'ils ne demandaient qu'à épouser la cause du mouvement social peuvent se rendre compte avec le Gouv, mais pas que, avec tout ce que je viens de te décrire et qui commence à s'articuler ensemble, qu'en fait, on est très loin de ça. On est des gens très sérieux, le mouvement a aussi décanté en deux ans. Il euh, y a plein de gens qui l'ont quitté, euh, d'autres qui l'ont rejoint entre-temps. Et euh, ne reste que les... Ceux qui reste sont des, sont des vétérans maintenant, on peut employer le mot. Deux années de, de lutte, je pense qu'on peut, peut dire ça, ouais. avec des prises de risque physiques. Je pense qu'on peut dire ça. Donc, pour les temps à venir, pour euh, les prochaines manifs géantes, pour les prochaines élections, alors pas les cantonales, parce que c'est hyper local, c'est vraiment autre chose, En plus être dans une énergie délirante, donc il n'est pas question de se jeter là-dedans, euh, mais de faire de l'électoralisme ou du clientélisme local, c'est pas du tout le but. Euh, le but, c'est vraiment de viser la tête après euh, tu as sûrement des questions pour rentrer dans le détail même si, euh, même si bah oui non non bon. mais je j'entends je, je, bien en fait c'est en fait vous avez créé un outil que vous mettez aussi au service éventuellement euh, de, 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 de volonté populaire ou euh, électorale etc., etc donc ça ça, ça c'est assez formidable quel serait votre souhait premier? Du ça serait être, ça serait gagner l'élection de 2022 et du coup bah, créer ce gouvernement ou euh, que même on n'a pas parlé d'un éventuel gouvernement de transition peut-être que c'est ça ce qui avait manqué au moment des gilets jaunes Exactement. et peut-être que bah, la police y, les, les, les policiers ou les gendarmes ou euh, l'armée en tout cas certaines personnes dans ces corps là euh, sentaient bien qu'il y avait un truc et que c'était pas normal que le peuple se soulève de la sorte et qu'ils auraient bien voulu, entre guillemets, ouvrir les portes de l'Élysée mais les ouvrir pour qui Exactement. Voilà. Alors que s'il y avait eu une structure avec un gouvernement de transition prêt à l'emploi, alors ceux du CNT vont nous dire, oui, mais on avait le CNT. Mais... Oui, le mais du CNT, c'est qu'ils sont inconnus. Quoi. Ils sont inconnus et pas crédibles. Et voilà. Alors que là, si on avait eu un, un gouvernement, effectivement et puis d'ailleurs, on pourra parler de, des gens qui composent ce gouvernement, qui y a des gens connus, euh, ça, ça aide aussi pour la crédibilité, heureusement ou malheureusement, bon c'est comme ça. C'est comme ça. Euh, mais donc euh, voilà, ça, ça aurait pu être euh, quand même euh, bah, vachement utile d'avoir ça. Quoi. Oui, bah, le fameux 1er décembre dont on parlait, mmh. peut-être que s'il y avait eu une force clairement identifiée euh, qui séduise à la fois les manifestants et les corps constitués, comme tu viens de le dire, l'issue aurait pu être tout autre. Mmh. Et quand tu regardes les, les révolutions qui sont allées au bout euh, dans l'histoire et que ce soit partout dans le monde, euh, il fallait toujours les deux composantes. La composante populaire proprement spontanée euh, sur un, une étincelle qui est imprévisible, donc là pour le coup c'était le prix de l'essence, euh, et derrière, qui rencontre, euh, et donc tous les théoriciens révolutionnaires euh, euh, parlent de ça, euh, même, même, les, même les anarchistes Bakounine et compagnie, euh, le, le groupe fantôme qui guide la foule. Euh, euh, le groupe structuré qui guide la foule au sein du, de la masse et qui lui offre un débouché euh, pour aller au bout, pour avoir la volonté d'aller au bout. Minorité agissante. Euh, Exactement. Euh, ouais. Donc, nous, on n'y était pas du tout à ce moment-là. Mm. Pas du tout, du tout, puisque c'était une manifestation, c'était une vraie jacquerie de Français dégoûtés de tout. Mm. Et à commencer par dégoûtés des partis politiques. Donc, effectivement, quand la LFI. Euh, où un peu le RN ont commencé à, à mettre leur nez là-dedans. Bon, ils se sont fait euh, renvoyer dans les roses assez vite. Euh, la gauche a tout de même essayé, réessayé, continué euh, jusqu'à plus soif, mais euh, elle a réussi qu'à dégoûter, euh, qu dégoûter les gens. Les syndicats... les syndicats décrédibilisés. Le 1er mai 2019 a été, a été magnifique à, cette, à cet égard. Avec la fuite de Martinez euh, au, au premier jet de gaz, c'était grandiose. Euh, donc voilà des, des français livrés à eux-mêmes 100% livrés à eux-mêmes et les français livrés à eux-mêmes quand même ça fait deux ans que ça dure et qu'on en parle mmh. donc il manquait que la que la minorité agissante et pour les temps à venir, pour les prochains soulèvements il faut que quelque chose existe euh, même si c'est pas un parti officiel il, il, là on va bénéficier des vétérans de la fois précédente, un peu comme en Russie, toute proportion gardée, la révolution de 17 s'est servi des vétérans de 1905. Les mecs qui, qui ont rongé leurs frein pendant 12 ans, d'avoir vu leurs leur frères et leurs leur pères et leurs mères mourir devant les grilles du palais d'hiver. Euh, voilà, ils ont fomenté leur revanche pendant, pendant 12 ans. Et, sauf que dans l'intervalle, en 1905, c'était une révolution spontanée, euh, pas vraiment guidée ou guidée par des guignols. Pour être plus précis, et, euh, et nous on a été guidé par certains guignols aussi. Euh, en 1917, c'est autre chose. Alors, on va me dire, euh, c'est guidé par des mecs, payé par les Allemands euh, pour aller, euh, pour que la, la Russie arrête la guerre. C'est vrai, mais ça n'enlève rien au fait que c'est la rencontre d'une spontanéité populaire et d'une organisation. Donc, euh, donc, pour toutes ces raisons-là, nous, on pensait que, que c'est une chose importante d'arriver à faire le goût et de le proposer comme, euh, comme pôle de fixation euh, de, euh, de tous ceux qui veulent faire des programmes et de tous ceux qui veulent changer les choses. Après, on est bien conscient qu'on n'est pas les seuls, que tout le monde a sa valeur, que chaque initiative euh, a, euh, a sa noblesse, a son utilité particulière, a ses bonnes idées à elle. Et on a, on a très vite vu, de toute façon ce n'était pas notre intention, on a très vite vu que euh, l'heure n'était pas à la, à la joyeuse fusion. Euh, l'heure est à la fédération des initiatives. On réfléchit à trouver des noms de bannières communes, mmh. derrière lesquelles chacun et chacune gardera euh, ses, sa spécificité, son indépendance, sa manière de faire. Mmh. Mais ça peut marcher. Mmh. Ça peut marcher. En alors, tout cas, ça peut donner de l'espoir. Alors, est-ce que tu, tu peux nous, nous dire un petit peu bah, qui compose ce gouvernement Alors, dans la présidence plurielle, dans les, ministres, bah, les deux, des ministres... Les deux, les deux. Bon, on va commencer par les ministres. Euh, donc, dans les ministres, on a voulu... On a vraiment tenu à ce que le spectre soit très large. Que ce soit à la fois des spécialistes de leur domaine, spécialistes incontestés, euh, des gens qui ont quand même des avis bien tranchés, qui n'ont pas ou très 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 peu grenouillé dans des partis politiques. Il y en a aucun qui a passé sa vie à, à tout faire pour être député ou maire ou voilà, aucun, euh, ou qui a, qui, qui, qui a passé des, des décennies dans un parti. Alors, on en a quand même un ou deux, mais qui ont des histoires bien particulières. Euh, on voulait des gens connus ou relativement connus. Mais ça ne nous dérange pas, s'ils sont très compétents et qu'ils ont vraiment toutes les autres qualités, qu'ils ne soient pas connus du tout. Et on voulait des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui sont allés très à gauche, des gens qui sont allés très à droite, et on voulait voir s'ils arrivaient à se parler autour des quatre piliers principaux des Gilets jaunes et de tous les Français en colère, qui sont la justice sociale, parce qu'il y en a marre de crever de faim dans, la, dans une puissance les plus riches du monde. Euh, pour obtenir la justice sociale, bah, il faut la justice fiscale, parce que c'est un problème d'inégalité et euh, d'impôts qui sont passés d'une certaine catégorie de poche à une autre euh, depuis une quarantaine d'années. Euh, la justice fiscale ne s'obtiendra jamais d'elle-même, c'est jamais les puissants qui vont nous la donner. Donc c'est au peuple de la prendre. Donc souveraineté du peuple, c'est le troisième grand principe. Mais le peuple n'est pas réellement souverain si la nation n'est pas indépendante, si la nation est soumise à des oligarchies étrangères, à des systèmes étrangers, à des banques, des choses comme ça. Donc l'indépendance de la nation. C'est les quatre grands principes justice sociale, justice fiscale, sou euh, souveraineté du peuple, indépendance de la nation. Si les ministres sont d'accord avec ça, après ils ont leur manière à eux, leur connaissance, euh, le leurs idées à eux pour y arriver. Mmh mais ils sont d'accord en tous les cas avec l'objectif. Mmh. On veut des gens, on veut la rencontre, alors je vais faire un peu de théorie, euh, c'est Antonio Gramsci qui avait écrit ça, euh, le, le philosophe italien dans ses, dans ses écrits de prison, euh, que les, les révolutions sont la rencontre du, du bloc hégémonique, c'est-à-dire la grande masse de, du peuple qui est en avance sur son temps, qui est en avance sur ses institutions et sur, sur l'oligarchie qu'il dirige, et de ses intellectuels organiques que le pouvoir essaie de s'approprier, mais qui, à un moment donné, retourne au peuple et vont le défendre. Et ça recoupe totalement ce qu'on disait tout à l'heure sur la rencontre de la spontanéité des masses et du petit groupe qui réfléchit. C'est une autre manière de dire la même chose. Et ce groupe qui réfléchit, <laughs> on a tous des noms en tête. Alors, il y a des noms qui font polémique, euh, voilà, mais bon, il y a plein de noms. On a débroussaillé, on s'est renseigné, on, on a cherché à savoir... Euh, qui étaient vraiment hyper solitaires et ne bossaient jamais en équipe, mais qui, qui pouvaient bosser en équipe. Il y avait des, des, des petits clans, il y en a qui se connaissaient. Tant Chopin, t'en as deux, deux pour le prix d'un, et ainsi de suite. Alors, et du coup Du coup, il nous faut de la gauche, il nous faut de la droite. Il ne faut pas hésiter à y aller fort. Donc, on a des anciens communistes et un ancien du RN, qui en, ensemble. Philippe Murer à l'économie. Qui est ancien communiste qui est... Non, qui est un gars de gauche. Fondamentalement, je... c'est un chevénementiste. Ouais. Mais à un moment donné, c'est un, un collègue de Jacques Sapir. Mm -hmm. Ils ont beaucoup collaboré ensemble. Ils ont rédigé une étude qui a fait, euh, qui a fait euh, Flores, qui s'appelle euh, euh, Scénarii de dissolution de l'euro mm -hmm. en 2013, qui a servi vraiment de base à beaucoup de travaux là-dessus. Euh, c'est un ancien trader, repenti, mm -hmm. euh, qui a beaucoup d'idées pour euh, aujourd'hui contraindre les banques. Euh, et il, il s'est retrouvé conseiller économique et écologique, parce que c'est aussi un spécialiste de l'écologie et de l'énergie, de, de Florian Philippot et Marine Le Pen. Okay. Sur la phase, on va dire, 2014-2017, pour préparer la campagne. Ensuite, il a quitté le parti. On a d'anciens dirigeants du PCF, mmh. que sont Régis de Castelnau à la justice, donc ouais. l'avocat euh, qu'on connaît, mmh. euh, et Jacques Nikonoff au travail. Donc Jacques Nikonov, qui après le PC avait créé Attaque mmh. et était, faisait, par des, parmi des, les, enfin, faisait partie des fondateurs d'Attaque. et ensuite avait créé deux partis qui, qui sont le MPEP et le Pardem, mmh. donc euh, des partis on va dire souverainistes de gauche. Euh, donc c'est un peu la, la, la galaxie des chevénementistes de les, les plus capés, les plus intelligents, euh, euh, qui se retrouvent. Mmh. Euh, 15 ou 20 ans après le club, euh, comment il s'appelait ce club Enfin bref, ouais, un, un club chevènementiste ouais. dans lequel on a, qui servait d'incubateur à, à plein de gens très bien. Euh, qui euh, Marc avez... Bloch, Fon, euh, je, je crois je que c'est euh, ouais, ça, je crois que c'est comme euh, la, la fondation Marc Bloch. Un truc comme ça. Euh, donc, donc voilà, des gens de gauche, des gens de droite. Euh, on, euh, Étienne Chouard. On a Étienne Chouard à la monnaie. Ouais. Euh, parce que bon, il est surtout sur la démocratie, sur le, la, est la constitution. économiste. Mais il a été prof d'économie et euh, il a fait de la monnaie une de ses, une de ses grosses marottes. Et c'est un des principaux lanceurs d'alerte sur les phénomènes monétaires, la souveraineté monétaire, mmh. la création monétaire. En France, il y en a beaucoup qui sont arrivés sur ces sujets-là par lui. Euh, on a Raoul Mani Berton, qui est un prof de Sciences Po, qui est franco-italien. Qui écrit plein de bouquins, qui est spécialiste de la démocratie directe. Donc, mmh. lui, il gère notre ministère de la transition démocratique, où, où il collabore aussi avec Étienne, évidemment. Euh, on a un ministre des Affaires européennes, qui est très, très, très eurosceptique, mais qui est, qui est plus malin que le Frexit pur et dur, article 50 à la mmh. Asino, euh, qui a une vision plus nuancée, qui, est, euh, qui à mon avis, est plus pragmatique mmh. et plus efficace. Qui a fait normal sup, qui a été prof de fac, qui a même été directeur de fac, il a été patron de l'SCP et euh, bah, surtout c'est un historien spécialiste de l'Allemagne, germaniste, qui a vécu en Allemagne, qui a fait des recherches, il a été chercheur important de maquinerie connaître l'Allemagne. Oh pour que oui. Il est marié à une allemande et en même temps il vous explique qu'il euh, n'y a pas deux peuples plus différents les uns des autres en Europe que les Français et les Allemands. Ouais. Voilà. Et il valide totalement la théorie de Todd, comme quoi les Allemands sont beaucoup plus proches des Japonais, par exemple, oui. et nous des Américains. Voilà. Euh, et c'est. Euh, en tout cas, lui, il valide ça. Mm -hmm. euh, il a écrit beaucoup, 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 beaucoup de bouquins là-dessus. C'est un vrai spécialiste. Lui, il est euh, classé euh, à droite. Il est prof à l'ICEP, mm -hmm. Marion Maréchal. Et puis à côté, on avait démarré le goût avec un ministre de la Santé qui est euh, Christophe Prudhomme. Euh, qui, euh, lui, est syndicaliste euh, affilié CGT, euh, des médecins urgentistes. Euh, et tous ces gens-là étaient d'accord pour bosser ensemble. On a un ministre des Affaires étrangères qui est mort bah, à la table. En, en, en fait, euh, c est, c est quelque, quelque part, moi j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu au CNR. C'était l'idée. C'était l'idée, parce que les, les temps de crise à toute proportion gardées, évidemment. Bien sûr. Avec le respect dû aux grands anciens. Euh, on n'est quand même pas en temps de guerre. Et Exactement. Mal, malgré tout, le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas non plus. On n'est pas en temps de guerre, ouais. mais on a failli dégénérer en guérilla il n'y a pas si longtemps, alors mmh. que personne ne s'y attendait. Donc, bon. Mais effectivement, les situations ne sont pas comparables. Mais le principe doit être conservé. Mmh. C'est dans des moments comme ça que euh, l'union doit se faire, euh, intellectuelle, entre ceux qui veulent le bien de la France mmh. et des Français. Euh, de, le temps est venu de mettre de côté ce qui les sépare. Pour euh, se concentrer sur ce qui les réunit. Et dans la rue, euh, avec les gilets jaunes, quand on s'est aperçu qu'on n'était pas tous des mêmes tendances, des mêmes partis, qu'on n'avait pas le même avis sur euh, l'immigration, le conflit israélo-palestinien, la PMA ou la GPA, eh ben c'était trop tard. On était déjà potes. On avait déjà vécu suffisamment de choses très marquantes en, tous ensemble pour passer outre ça. Et nous, on l'a vécu dans la rue, et on voulait que les, les, les intellectuels le, le montrent, s'engagent, et fassent la même chose que nous, et, et, et le fassent publiquement en, en, en s'engageant à fond. Donc on, pour continuer la liste, on a Moradé Lattabe aux Affaires étrangères, qui est un géopolitologue, qui a écrit plein de bouquins fantastiques, que je recommande à tout le monde, qui lui est un gaulliste pur jus. Mmh. Euh, je connais, euh, j'avais fait un entretien avec lui sur un autre sujet parce qu'il est aussi sur le sujet, de, de, la sur sur le sujet de la protection de l'enfance. Il est sur le sujet de la protection de l'enfance, ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, voilà, donc on a euh, des experts euh, comme Conrad Schreiber à l'agroécologie, donc euh, qui est un ingénieur agronome, ancien agriculteur, qui gère des réseaux de fermes euh, où, on, où il réalise des expériences d'autonomie en ci ou en ça, des spécialistes de l'agroforesterie. Il est très très respecté dans son milieu. Il n'a pas à pr proprement parlé d'étiquette politique. Tant mieux. Euh, donc voilà, je pourrais, je pourrais continuer la liste comme ça. Euh, on a un ministre de, de l'Outre-mer qui est un, un inconnu parfait, un, mmh. un, un militant souverainiste qui n'avait pas spécialement fait parler de lui euh, pour le moment parce qu'il est très jeune, mais qui est. Euh, on l'a rencontré dans, dans des cercles. Bref, David Mugerin. Eh ben je je, je l'ai rencontré. Voilà, c'est un garçon adorable, euh, passionné par toutes les problématiques d'outre-mer. Donc euh, lui-même, il, il est Guadeloupéen. Et euh, donc, il a une culture immense là-dessus. Il est très, très compétent. Et euh, il est en train de nouer donc des, des contacts euh, un peu dans, toutes les, dans tous les territoires euh, d'outre-mer français. Et il a aussi son comité. Citoyens tiré au sort, dans lequel, fatalement, il y a des Réunionnais, des Antillais, il y, de, y a beaucoup de, beaucoup de monde. Et, euh, et donc, voilà, on ne s'est pas dit, on va attendre que Priscilla Dudowski nous dise oui, ou ce genre de truc. On voulait pas à tout prix quelqu'un de connu. Et euh, du coup, bah, au niveau de la présidence plurielle, tu, tu peux nous donner aussi quelques, quelques noms mmh. rapides et nous dire aussi bah, comment ça fonctionne, comment vous avez pensé à ça Oui, ouais. alors, bah, c'est des, des gens venus de tous les horizons. On se connaissait par grappe. De 2-3, mais en fait, c'est un groupe qui avait été fusionné à la base, qui devait représenter plusieurs groupes, qui avait été monté par euh, Philippe Pasco et Hakim Loé. Mmh. Mais quand ils ont vu qu'on voulait monter un contre-gouvernement, ce n'était pas leur idée, donc ils nous ont quittés. Mais leur idée était de, de faire fusionner plein de groupes et plein de tendances dans un seul groupe, et c'est ce qui est arrivé. Donc, on a des gens déjà de toute la France. Euh, notre, la présidente de notre association, c'est nathalie fibrac, la bordelaise, celle qui avait interpellé macron quand il était venu à pessac et qui, allait, qui, qui voulait lui mettre un gilet jaune. Euh, voilà, on a euh, ben, euh, des gilets jaunes entre guillemets historiques, vraiment euh, de, 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 des premières heures, voire même avant le 17 novembre, comme julie castin, euh, dont, dont certains se souviennent pour les passages qu'elle a tony truant qu'elle avait fait chez, chez Ardisson. Euh, on a euh, des gens euh, comme par exemple celui qui se fait appeler l'irréductible gaulois réfractaire, euh, Seb, qui est un mec adorable que beaucoup de gilets jaunes connaissent. Euh, on a les époux Pélissia, que beaucoup connaissent aussi, qui sont des, des pensionnaires du fameux bus magique du 2 janvier. Euh, Ce n'est pas les seuls pensionnaires du bus magique d'ailleurs dans, dans, dans l'équipe. Donc voilà, c'est des, des, des vétérans gilets jaunes. Qu'on euh, fait beaucoup beaucoup de manifs, euh, beaucoup beaucoup de réunions, beaucoup beaucoup de tout ça, et, euh, et qu'on avait marre de pas voir les choses avancer, et qui se sont dit bon bah un contre-gouvernement au moins c'est du concret, on va se lancer dedans et puis on verra bien. Voilà. Et on a ouvert au fur et à mesure à d'autres personnes, à d'autres milieux, à d'autres mouvements sociaux. Que tu peux revenir sur le fonctionnement de, ce, de cette présidence tournante. Déjà, ouais. c'est quoi Alors, ce le... n'est pas une présidence ah. tournante, c'est une présidence collective. Présidence collective, pardon. Euh, à quoi sert déjà le président dans votre gouvernement Alors, bah, en fait, le truc, c'est que qui dit, euh, qui dit gouvernement dit cohérence gouvernementale. Ouais. Si à un moment donné, il y a deux ministres du même cabinet qui disent blanc et noir en même temps, euh, effectivement, il y a un problème. Parce que pour le spectateur, on se dit non, bah, OK, qui croire Et en plus. C'est trop facile, c'est ce que font les, les, les politiciens, c'est la technique du râteau. Quand vous avez un très gros parti, il y a l'aile gauche, l'aile droite du parti, ils peuvent dire des choses complètement différentes, mais ce n'est pas grave, grâce au biais de confirmation, les gens vont entendre que ce qui les arrange. Euh, on ne veut pas descendre aussi bas, donc euh, on choisit des gens qui sont d'accord sur l'essentiel, et sur les détails, bah, on les force un petit peu à s'entendre. Euh, nous, la présidence plurielle, on est là pour dire ok, ok, lui pense ça, lui pense ça, on va trouver un compromis. C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. Si jamais un ministre se met à déconner, à dire, euh, voilà, on, moi, euh, je veux euh, instituer la peine de mort pour les euh, voleurs d'orange. Mmh. Euh, bon, tu, tu as brillé, tu es débile, tu dégages. Il faut bien que quelqu'un décide euh, souverainement de faire partir cette personne. Ou d'en nommer une nouvelle. Mmh. C'est le rôle de la présidence plurielle. Et ça va aussi être son rôle quand les comités citoyens vont livrer leur rapport pour le, la première session, donc le premier trimestre, puisqu'on renouvelle les, les comités chaque trimestre. Quand les rapports vont arriver, ben ils vont arriver à la présidence plurielle, qui va appeler le ministre en question, quand il y en a un, parce que tous les postes ne sont pas encore pourvus, et dire voilà ce que les citoyens ont pondu, -nous, toi fais-nous ton rapport, dis-nous ce que tu en penses. Et nous, la présidence plurielle, on va euh, voir ce qu'on garde dans le programme global. Sachant que je pense qu'on gardera beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'on euh, a déjà commencé à faire tourner les comités, et on voit que c'est des citoyens comme nous, donc on est, on est là encore d'accord sur l'essentiel. Et donc, comme je te disais, on a ouvert la présidence plurielle à, à d'autres mouvements. Euh, on a euh, quelqu'un qui représente euh, des milieux euh, plutôt catholiques, par exemple, qui est arrivé en cours de route, en même temps que quelqu'un qui représente euh, le syndicalisme, puisque c'est un délégué CGT RATP euh, assez connu qui s'appelle Olivier thériot un mec adorable, et euh, qui lui, euh, voilà, il a toujours son sadoudoun rouge, et, euh, il défend bec et ongles le, le travailleur et le, et le, et le social. Euh, donc, voilà, on essaie de s'ouvrir un peu à tout ça, d'approcher de, mmh. des, des représentants. Euh, D'être représentatif de l'ensemble des sensibilités. Occuméniques, voilà. Très bien. Alors, du coup, sur l'aspect un peu plus stratégique maintenant, euh, euh, donc tu sais, on a reçu, nous, euh, un certain nombre de, 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 de personnes dans notre émission. Tu voulais revenir éventuellement sur, justement, bah, des stratégies qu'ils ont élaborées, qu'ils ont proposées euh, bah, par exemple, pour parler de, de, de Sylvain, nous, c'est euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup, euh, avec qui on travaille, on aimerait travailler, travailler plus. Euh, on le soutient dans sa démarche contre les médias parce qu'on sait euh, effectivement le rôle immense des médias, qui est un véritable quatrième pouvoir qui, à ce titre, devrait être constitutionnalisé, un peu comme les banques pourraient être le cinquième pouvoir mmh. constitutionnalisé aussi. Euh, donc, donc pour ce qui concerne Sylvain, effectivement, il a, il a, il a notre soutien. En plus, c'est, c'est quelqu'un qui n'est euh, jamais tombé dans la démagogie, qui a jamais cédé à la facilité, qui traite des sujets difficiles, parce que par exemple son appel aux armées ou le sujet des médias, c'est vrai que c'est des sujets difficiles, où c'est facile de tomber dans le, dans le, 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 le populisme un peu bas du front, et lui, euh, il fait toujours très attention euh, à rester extrêmement crédible. Euh, donc, donc voilà, lui on sait que euh, Sylvain fait partie des gens avec qui euh, on collabore. Euh, son idée de, de, de tribunal populaire pour, pour, pour euh, attaquer, et juger Macron euh, euh, avec des véritables arguments juridiques et pas l'espèce de pantalonnade théâtrale qui avait eu lieu à la, la bourse du, du travail avec euh, Daniel Mermer, Juan Branco et euh, Frédéric Lordon où il n'y avait aucun élément juridique, il n'y avait rien, c'était juste des plaidoiries anti-Macron assez ridicules. Euh, là, euh, là, lui, il veut faire quelque chose de très sérieux. On est encore une fois dans le domaine du symbolique, mais le symbolique peut être très sérieux et avoir, une, avoir plus de portée que, que certaines choses pratiques. Après, pour, euh, pour le reste, il faudrait que tu me rafraîchisses un tout petit peu la, Alors, la mémoire. Donc, donc euh, celui qu'on a reçu en premier, c'était euh, Maquis, Vincent, euh, Després. Qui lui bah, parlait de justement de la réappropriation du pouvoir symbolique. Mmh. Bah là, on est en plein dedans. Voilà. Euh, de, de, de montrer une certaine crédibilité, de conquérir le cœur et les esprits des Français après bah, justement cette bataille médiatique qui a été en partie perdue par les Gilets jaunes euh, avec Macron qui a réussi à dégoûter en fait beaucoup de Français du, du mouvement. Euh, il y avait aussi la stratégie de dire qu'il faut présenter des candidats donc pour l'élection de 2022, pour les législatives ce qui pourrait potentiellement être bah, une contre assemblée. Euh, on a aussi Monsieur winski qui, qui, qui est venu nous voir pour nous parler donc euh, de la stratégie qui, qui vise à utiliser ce qu'il appelle le négationnisme présidentiel, mmh. c'est-à-dire euh, la négation par Macron et son gouvernement bah, de possibilité de traiter euh, le Covid-19, donc des médecins qui ont été empêchés de le faire et donc du coup qui démontre euh, bah, une attitude criminelle de la part de ce gouvernement qui a empêché, bah, être, enfin, qui a condamné des Français mmh. à mourir alors qu'ils auraient pu être soignés. Et de l'utiliser comme un argument bah, qui pourrait être servir dans le cadre d'un procès euh, populaire. Mais on relie les deux, du coup. On relie ça avec le côté symbolique ou, dans le exactement. procès. Exactement. Ou alors qui, qui pourrait être utilisé comme argument d'autorité dans le cadre d'une campagne pour des élections présidentielles en 2022. Parce que ça, c'est la stratégie, effectivement, présentée par. Aussi, M. Pinsky qui dit que bah, nous devrions présenter un candidat gilet jaune pour 2022, un candidat qui incarnerait le programme gilet jaune de 2022 et qui ferait en vrai ce que Macron a fait en faux. Mmh. Voilà. Mmh. Oui, c'est vrai. Euh, son, son en même temps et le en même temps qu'on attendait tous de, de ce qu'on appelait l'UMPS mmh. et qu'il a juste euh, incarné mais qui s'en l'inventer, en face, il faut lui répondre hein, en même temps, celui que je décris depuis tout à l'heure, c'est le en même temps des, des énervés de gauche et de droite, euh, des, de tous ces nouveaux pauvres euh, dont on se soucie peu de ce qu'ils ont voté avant de savoir s'ils ont envie de renverser ce gouvernement. Mmh. Après, on a toujours le même, le même problème du, 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 du passage du, du virtuel au réel. Euh, dans le symbolique, c'est vrai qu'on peut imaginer beaucoup de choses. On a un gouvernement de menteurs dont les mensonges... Euh, confine un petit peu à l'assassinat euh, ces derniers temps, au meurtre. Donc, euh, moi, je n'irai pas forcément sur le côté euh, sanitaire pur et dur, parce que n'étant pas tout toubib, je n'en sais rien. Et euh, bon, j'ai mon avis sur la question dont tu peux te douter. Euh, mais simplement le fait que euh, les techniques prises, comme par exemple le confinement euh, euh, radical du début, c'est combien de suicides c'est combien de cancers non traités ou non détectés C'est combien de morts, en fait mmh. Voilà. Et comme le dit Louis Fouché, le, le médecin de Marseille, quand on va faire les comptes, si on les fait sérieusement, on va peut-être s'apercevoir que, que le remède a créé plus de morts que le mal. Mmh. Donc là, on est vraiment dans une irresponsabilité présidentielle, euh, une, une succession de, de, de décisions absurdes dont on se demande si elles ne sont pas volontairement absurdes. Ça. Parce que c'est l'intentionnalité de l'absurde oui, oui. pour commencer à nous faire comprendre qu'on rentre dans un régime autoritaire, mm. un véritable régime autoritaire, mm. et comme, en, en en, comme une manière de test pour dire « allez, c'est bon, ils sont mûrs ». On leur a demandé de sortir en, à cloche-pied, c'est bon, ils sont tous sortis à cloche-pied, maintenant on peut y aller, étape mm. suivante. Mm. Et moi, c'est ça qui m'effraie le plus. Et j'ai confiance en mon peuple pour réagir à ça, j'ai confiance dans ce gouvernement d'abruti pour faire le pas de trop, pour faire le geste de trop, la provocation de trop, parce que c'est toujours comme ça que ça commence. C'est jamais le peuple qui se soulève tout seul. C'est la contre-révolution qui crée la révolution. Euh, c'est les, les insultes répétées. C'est-à-dire que s'il y avait eu que le prix de l'essence, mais qu'on s'était pas fait insulter de beaux fumeurs de clopes qui roulent au diesel ou d'illétrés. Euh, ou de ceux qui ne sont rien par toute cette clique, peut-être que la réaction n'aurait pas, pas été aussi vive, mmh, aussi à fleur clair. de peau. Ouais. Bon, en tout cas, euh, parce que maintenant, le, le, malheureusement, le, le, le temps tourne et on va devoir conclure, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire donc pour les spectateurs qui, qui regardent cette émission, comment ils peuvent participer, parce qu'on est sur le champ, donc sur le champ, qu'est-ce qu'on peut faire pour participer donc, aider votre stratégie de reprise du pouvoir euh, du GOUV.fr Alors déjà, les gens peuvent s'inscrire euh, sur le GOUV.fr pour participer au comité. Ouais. Euh, ils peuvent euh, nous proposer des, des noms de ministres s'ils en ont. Ils peuvent euh, même se proposer comme ministre s'ils si pensent qu'ils ont la, la compétence. Alors, euh, le, le, le tri est assez drastique. Hein. Il y a quand même des, des, des critères assez, assez drastiques. Mais pourquoi pas On mmh. a des gens qu'on est en train d'auditionner en ce moment qui... Euh, sont de parfaits inconnus du grand public, mais dont on pense qu'ils ont tout à fait les compétences pour, pour prendre ce poste. Et puis, bah, j'ai envie de dire aux gens engagez-vous. Engagez-vous dans tout ce qui passe à votre portée, que ce soit à l'échelon local, que ce soit à l'échelon national. Toutes, tous ces groupes, tous ces projets, euh, dont la plupart sont formidables, et comme le gouve, sont le fait de parfaits bénévoles, de, de pères et de mères de famille qui donnent leur temps libre pour faire avancer ces projets. Euh, c'est vrai que parfois, c'est frustrant. De bosser comme un chien et de voir que derrière, euh, euh, bah, certains ont un peu une mentalité de consommateur. Euh, Aujourd'hui, j'aime bien, demain, j'aime plus, euh, mais entre-temps, j'ai rien fait de spécial. Mmh. Euh, mais bon, on fait avec. Donc, n'hésitez pas à, à soutenir tous ces projets, donc, dont le Gouve, le Gouve officiel sur, sur Twitter et Facebook. Inscrivez-vous sur le site, on a besoin d'argent aussi. Donc, ceux qui n'ont pas de temps à donner ou d'énergie, mais qui ont un petit peu de sous dont ils savent pas quoi faire, euh, peuvent tout à fait nous en faire profiter pour nous permettre de continuer à travailler. Et, euh, et voilà, soutenez le GOUV, soutenez le MCP, soutenez tous les groupes qui participent au OP 2022, aux citoyens de France, jL Concorde, 17-11 et tout ça. Euh, voilà, adhérez au syndicat Gilets jaunes. Si vous voulez euh, bah, commencer à, à lutter euh, pied à pied dans votre entreprise au quotidien, faites monter le syndicat Gilets jaunes. Euh, et, 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 et soyez ouverts, soyez ouverts aux autres, soyez ouverts à, à cette fédération qui est en train de se créer et, euh, et qui va devoir se créer. Enfin, il faut qu'on la crée parce que sinon on va, on va rester impuissant jusqu'au bout. Très bien. Voilà. Bon bah écoute, merci euh, Fabrice merci pour à toi. Euh, cet entretien. Je vous dis à bientôt. Vous étiez donc euh, euh, sur le champ, l'émission qui participe à la reprise du pouvoir et puis bah, adhérer aussi au service public libre pour y participer vous-même.